Il est devenu l'un des sites les plus fréquentés par les simples marcheurs ou les sportifs aguerris. Le point de vue de Vaitavere et ses nouveaux aménagements ont été inaugurés ce matin. Le reportage de Mireille Théato. 14 équipements sportifs, 3 points d'eau et un deck panoramique, que demander de plus? Après 10 mois de travaux, la ville de Punavia a enfin inauguré le parcours Vaihi Vaitavere. Pour la promotion, bien sûr, de l'activité sportive, saine, pour une meilleure santé, pour lutter aussi, pour contribuer à lutter contre les maux d'aujourd'hui, notamment l'obésité, le diabète. C'est vraiment la volonté de la commune. Avec mon chien, ce matin, pour lui, c'est une première. Donc on a découvert les installations et la belle vue encore meilleure, quoi. C'est génial. Je sais bien penser que ce soit pour nos enfants et nous, les adultes. Donc il y a pour tout niveau. Des places de parking en haut et en bas sont désormais accessibles aux 400 promeneurs quotidiens de Vaitavere. Je suis très content de voir ce nouveau parcours parce que quand j'avais commencé ici à Vaitavere en 2017, ici tout le monde se garait un peu n'importe où. Aujourd'hui, que la mairie a mis en place un parking pour tout le monde. Si le parcours attire autant de marcheurs, c'est aussi parce qu'il est gratuit. C'est pas mal du tout, hein. Surtout pour nous, pour les sportifs, enfin, pour ceux qui ne font pas beaucoup de sport. Hein. Et en plus, c'est gratuit et c'est en plein air, c'est ça qui est bien. Après l'effort, le réconfort, 2,5 km de côte, on apprécie particulièrement le point de vue.